I believe we're on a journey. Je sens vraiment un momentum au plus haut niveau de l'organisation. We are aligned on how we're going forward. La responsabilité, on la prend à cœur. Pour moi, ce sont des actions qui parlent d'elles-mêmes. We've not only talked the talk, but we actually walked the talk. We're one big chain of things that have to happen. Small changes could have great impact on the world. On est dans le domaine des solutions innovatrices en transport. Donc, on fait à la fois des trains, des avions, et on veut les faire de plus en plus responsables, donc d'être soucieux de l'impact de notre entreprise sur notre entourage, sur nos communautés, sur l'environnement, sur les différentes parties prenantes. We do have the organization engaged. The employee survey told us last year that the vast majority of employees feel very strongly about this. So we're now focused on corporate social responsibility as a priority. C'est l'ensemble des activités qu'on fait, autant au niveau de notre implication dans la communauté, autant au niveau de la gestion dans nos opérations en santé, sécurité, en environnement, dans toutes les sphères de notre entreprise. On a des gestes et des actions concrètes qu'on pose au niveau de notre responsabilité comme citoyen corporatif. I think we all want to work for a company that takes care of, you know, the various stakeholders broadly and narrowly. Obviously, narrowly, the people that work within our company, our customers, our shareholders, etc. But more broadly, of course, the community, the environment, all the different elements that add up to a successful nation as well as a successful company. Les employés sont très enthousiastes à participer à des projets qui sont de nature environnementale. On a des projets à notre atelier de peinture qui ont à voir avec des COV, où les employés sont impliqués à trouver les solutions. Et d'ordinaire, d'avoir l'implication des employés dans de tels projets, c'est très facile. Et la compagnie est axée sur le recyclage. Faut faire attention à notre planète. Puis c'est pas juste chez nous, là, à Dorval ou à Ville-Saint-Laurent. Non, c'est dans le monde, c'est à grandeur. Pour la première fois, on a les vice-présidents, directeurs généraux des usines qui se sont commis à supporter une cible globale pour le groupe aéronautique de réduction de gaz à effet de serre. C'est sur leur tableau de bord équilibré. On parle d'une réduction de 10 % par 200 000 heures travaillées d'ici 2014. Plusieurs actions qu'on peut prendre pour réduire les gaz à effet de serre. Récemment, il y a un partenariat avec Cascade qui va venir nous aider à peut-être trouver des pistes de solutions pour être un jour, qui sait, carbone neutre. Pour la première fois, on se donne le moyen de nos ambitions avec un fonds vert. On va avoir un montant d'argent dédié pour supporter les initiatives locales. On va demander l'input de nos employés. On va évaluer la qualité de leurs projets. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment subventionner les projets qui vont aider Bombardier à monter la barre. Fait que l'année prochaine, en 2011, dès le premier mois de l'année, on devrait avoir un portfolio de projets qui va être soumis. On va l'évaluer, puis ça va nous faire plaisir de donner des sous pour permettre au site de les mettre en place. Toute l'industrie ensemble s'est dotée d'objectifs. Donc, on souhaite atteindre la carboneutralité en 2020. On souhaite améliorer l'efficacité carburant de nos appareils, de notre industrie, de 1,5 % par année. Et on souhaite aussi réduire l'ensemble des émissions de notre industrie de 50 % en 2050. Ça, c'est relativement au niveau de 2005. And we consistently put products out there that are environmentally friendly. For example, with the Q400 or the next-gen CRJs, and now with the C-Series. So we've been very consistent and committed to ensuring that we have the most efficient airplanes in terms of emissions, in terms of noise, et cetera. I'm very proud of the fact that we are actually putting to our customers a whole range of products that meet their concerns about the environment. With our Design for Environment program, we're really looking at comprehensively at the end-to-end of the aircraft and not just looking at any specific technology solution to resolve the whole problem. We're developing a number of new technologies in the areas of power plant, for example, in the area of materials, in systems, aircraft systems, for example, a more electric airplane, for example, which is a much more efficient way of distributing power to the airplane.
Alors, l'autre rôle des manufacturiers d'avions, c'est de vraiment s'assurer que nos appareils sont compatibles avec ce qu'on appelle les biocarburants ou les carburants alternatifs qui sont en train d'être développés actuellement dans l'industrie. Donc, on vient d'annoncer cette année qu'on va tester des biocarburants sur un appareil Q400. Donc, c'est notre rôle de nous assurer que nos appareils sont compatibles avec ces biocarburants qui vont être mélangés avec le carburant actuel, avec les mêmes caractéristiques, mais on doit quand même s'assurer par des tests que tout va très bien fonctionner. Not only do our customers want to have socially responsible products, but also our investors, people that invest into Bombardier stock or put money into Bombardier, are also looking for socially responsible investments. On opère dans une société qui a des valeurs de respect de la personne humaine qui sont très prononcées. Lorsqu'on fait affaire avec des fournisseurs à l'étranger, par exemple, on essaye de les influencer afin que ces valeurs-là qui nous sont chères soient adoptées aussi. So the reason Bombardier put in place the supplier code of conduct is we recognize that suppliers are absolutely integral to everything that we do. And if we have a supplier out there somewhere in the world that is using child labor or inhumane practices, it reflects directly back on us. So we've seen it happen in other companies, and clearly Bombardier wanted to be proactive and making sure that did not happen to us. Ce qui me rend le plus fier en termes de responsabilité sociale chez Bombardier, c'est le fait que, année après année, Bombardier remet 1% de ses profits à la communauté, aux gens qui en ont besoin. We have a big recognition program across the whole company. So in every site, every country submits big projects and employees get really engaged about submitting their work. And we call it the Annual Accomplishment Awards. And all the employees, the winners of these awards, we introduced 2 years ago that each team got $10,000 that they could contribute to any charity of their choosing. L'implication communautaire est très importante pour moi. C'est une façon de redonner à la société, de permettre à d'autres d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir renforcer une société qui évolue. Depuis plusieurs années, Bombardier a toujours été bien impliqué dans les communautés où elle opère, mais on a décidé qu'à l'avenir, on va essayer de se concentrer sur trois éléments plus particuliers. Donc d'abord, ce qu'on appelle les trois E, donc l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat. Ce qu'on cherchait à faire avec ça, c'est de trouver les grands sujets qui vont toucher les employés, puis à travers lesquels on pourrait organiser soit des programmes de dons, de volontariat, de bénévolat ou d'intervention dans les communautés là où on est présent. Je participe en tant que mentor dans les écoles secondaires, des écoles souvent défavorisées, où Bombardier investit de l'argent dans un programme qui s'appelle First Robotics, où les jeunes ont 6 semaines pour construire un robot. Les jeunes voient notre engagement et naturellement nous suivent et s'engagent. C'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on pense que ces jeunes-là souvent avaient dans l'idée de décrocher. Me parece extraordinario que esté implicado con la comunidad, que no solamente está pensando en ganar plata, sino que está pensando en dar plata, en darle a la gente que más lo necesita. Eso me parece extraordinario. Qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est regarder nos résultats concrets en santé, sécurité au travail. Quand on a mis en place la stratégie de 5 ans, on s'est mis comme but ultime une fréquence d'accident de 0,5. Tout le monde pensait que c'était inatteignable. Aujourd'hui, on est à 0,67. On commence à pratiquement toucher au niveau de classe mondiale. C'est ce qui me rend le plus satisfait des initiatives au niveau de la responsabilité d'entreprise. It's not about moving, it's about leading. Alors, l'important, c'est de prendre le leadership qu'on a entre les mains pour vraiment définir quelles seraient les prochaines étapes dans 5 ans et 10 ans pour que nos compétiteurs puissent regarder Bombardier et dire « Ah, c'est ça qu'on doit faire ». Je pense que l'avenir appartient aux compagnies qui tiennent à cœur l'environnement, non pas juste pour, là encore,
pour dire qu'on a pris le virage pour faire de la communication, mais pour agir dans la vraie vie, et c'est ce qu'on fait. Pour moi, ce qui me rend très, très fière, c'est de penser que nos produits font partie de la solution au niveau des changements climatiques. Et c'est ça qui me rend le plus fière, c'est de démontrer que l'aviation peut être respectueuse de l'environnement.